Je vais vous parler aujourd'hui de ce monde des jardiniers botanistes. Quelque chose qui signifie beaucoup pour moi en ayant une formation de base d'agronome. Un agronome qui est devenu botaniste et qui a la chance de travailler dans un grand herbier, l'herbier de Genève, 6e au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'au quotidien, je manipule, j'identifie, on en voit en près des échantillons qui ont été récoltés par des jardiniers. Et de plus en plus, cet aspect, ça m'intéressait. C'est quoi ces jardiniers qui ont découvert la planète, qui ont fait une découverte scientifique de la planète, qui ramenaient des plantes en Europe, mais qui en même temps échantillonnaient, décrivaient des espèces, qui faisaient des monographies qu'on utilise au quotidien. Donc finalement, c'est quelque chose qui en même temps, comme vous allez voir, c'est une thématique qui est difficile à cerner. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est tout simplement mon interprétation personnelle. Et ça, vous allez voir aussi qu'il y a un choix précis des personnages qui obéit tout simplement à des coups des cœurs. Que j'espère bien, justement, c'est quelque chose qui va vous intéresser. Comme menu des jours, nous allons voir une petite description de c'est quoi un jardinier, c'est quoi un botaniste, et en même temps, la déclinaison de qu'est-ce qu'est pour moi Fred Stauffer, conservatoire à Genève, ça veut dire un jardinier botaniste, et qu'est-ce qu'il a fait pour la découverte scientifique de la planète? Qu'est-ce qu'il a fait pour, au niveau des contributions pour décrire des nouvelles espèces? De quelle façon il a contribué à la connaissance de la culture de la plupart des plantes ornementales qu'on voit ici? Et de la même façon, de quelle manière un botaniste a contribué, dans certains cas, sur l'aspect du paysagisme. Il y aura aussi quelques petites considérations finales au bout de cette conférence. Je voulais quand même donner un sens assez strict à ce qui est la notion d'un jardinier, une jardinière et un botaniste. Alors tout de suite, je suis allé à la bibliothèque de Genève, dans les domaines de la botanique systématique, peut-être la 3e ou 4e au niveau mondial, et j'ai demandé au chef de la bibliothèque, les responsables, voilà, passe-moi les dictionnaires les plus importants que tu puisses avoir sur la langue française. Il m'a sorti les grands Robert. Et avec ces grands Robert, je suis allé chercher les deux noms clés aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un jardinier, une jardinière? Et qu'est-ce que c'est un botaniste? Pour essayer d'encadrer dans ces deux mots tout ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, tout d'abord, la toute première chose qui m'a frappé, c'est la date d'apparition de ces noms. Noms, les noms jardinier, jardinière, qui est paru d'une manière assez précoce. 1180. Tandis que le terme botaniste, il est un petit peu plus tardif. Donc finalement, je crois bien, je suis persuadé, tous les botanistes, en fait, dérivent d'un jardinier. Et tous les botanistes, en partie, sont à l'origine des jardiniers. Avec des définitions qui sont très intéressantes. Un jardinier, c'est la personne dont le métier, c'est de cultiver les jardins. C'est une définition assez générale. C'est en même temps, en fait, comme deuxième point dans les Robert, c'est une personne qui devient jardinier paysagiste, un jardiniste. Tandis que la définition des botanistes, c'est plutôt la personne qui s'occupe de la botanique, c'est un herborisateur, donc la personne qui fait des herbiers. Et bon, après, c'était le casse-tête comment choisir les personnages que je vais vous montrer aujourd'hui pour les faire rentrer dans cette dynamique, dans ces définitions. Mon jardinier botaniste, il est là, au centre, au cœur de la discussion aujourd'hui. Et ces jardiniers botanistes, au bout d'à peu près un mois de recherches dans la bibliothèque, donc finalement, c'est une recherche bibliographique accompagnée avec tout ce que je vois dans les herbiers. Ces jardiniers botanistes, il est en même temps... Il est explorateur, il découvre la planète. Ce jardinier botaniste, il est aussi un scientifique. Et ce jardinier botaniste, il peut être aussi pépiniériste, horticulteur, et finalement, il a aussi une forte influence sur tout ce qui est la partie du paysagisme.
Il pourrait y avoir d'autres déclinaisons de mon jardinier botaniste, mais aujourd'hui, d'une manière assez personnelle, j'ai fait le choix de vous présenter 4 jardiniers botanistes qui vont dans ces domaines de l'exploration, de la science, la pépinerie, la production de pépinières, l'horticulture, et ceux qui sont devenus aussi des paysagistes. Et moi, j'ai envie de dire que, quelque part, la découverte de ces mondes végétales commence avec l'exploration du monde. Et cette exploration du monde, en fait, tout commence à partir d'à peu près 1750. C'est la course de la découverte de la planète. Il y a les Français, il y a les Anglais, il y a les Russes, il y a les États-Unis, mais d'une manière un petit peu plus tardive. Et je me suis donné, en fait, voilà, 2-3 publications clés sur l'exploration de la planète, et j'ai mis de côté 16 expéditions différentes, entre 1760 et 1840, 16 expéditions. Et j'ai étudié l'équipage de toutes ces expéditions, en fait. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve toujours un commandant, la personne clé, évidemment, et je me retrouve aussi avec des officiers de l'armée, des médecins, des astronomes, des ingénieurs. Il y a médecins, il y a des botanistes ou naturalistes à l'époque, il y a des bénévoles, il y a un aumônier, évidemment très important. Tous ces bateaux, dans certains cas, coulent. Alors, c'est utile, hein, c'est pratique. À l'époque, dans la plupart des cas, il n'y a pas encore des jardiniers. Donc, finalement, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est finalement les botanistes, les grands savants qui partent en mission sur ces bateaux, ils ramassent des plantes, mais ils n'ont aucune connaissance sur la culture de ces plantes. Donc, ils ramènent des plantes en Europe que finalement, une partie va mourir. Alors, ces bougainvilliers, c'est par exemple un des produits de ces grandes missions, de ces grandes expéditions. Un bougainvillier qui est très important parce qu'il honore le capitaine Bougainville, ce capitaine français qui s'est mis dans la tête de parcourir la planète et qui, avec un botaniste, un grand botaniste commerçant, il découvre cette plante, ce bougainvillier qui devient parmi peut-être les 10 plus importantes plantes ornementales dans la région tropicale. La preuve, en fait, de cette culture qui est répandue sur la planète, c'est que cette photo a été prise, j'ai prise il y a 4 jours en arrière dans la région de la Casamance. Marc, j'étais assez fortement frappé par le type du bougainvillier, en fait, comme il est moche par rapport à la beauté de la plante. Mais c'est l'échantillon étalon de l'espèce, et c'est magnifique ce que tu nous as montré. Un exemple de ce qui a été récolté par un vrai botaniste, un botaniste scientifique, et en fait tous ces savants renommés, Banks, Michaud, Forster, vont faire des découvertes incroyables, et les noms de tous ces grands savants sont latinisés, et évidemment représentent des plantes qui sont assez symboliques dans la culture des plantes ornementales. Je rappelle ici, en fait, à l'audience qu'on est toujours dans les savants. Ce sont des savants botanistes qui vont accompagner l'équipage de toutes ces missions. Encore une fois, même les Russes se sont mis dans la course de la découverte de la planète au niveau de la région du Pacifique. Donc, encore une fois, des exemples de tous ces grands savants dont les noms ont été latinisés pour exprimer justement la description soit d'une nouvelle espèce, soit d'un nouveau genre. Ce sont des botanistes purs et durs. Et ils ont très peu de connaissances sur la culture des plantes. Sur les 16 missions des terrains, ces missions, ces expéditions magnifiques, finalement, il y a très peu qui ramène ou invite un jardinier. Et mon explication, c'est tout simplement que les botanistes, finalement, pas tous ont la main verte. Ils ont vite compris qu'il fallait finalement inviter un jardinier à bord. Et nous avons ici 1, 2, 3, 4 missions où il y avait des jardiniers qui ont été invités. Les deux, les botanistes et les jardiniers, finalement, ont eu des fois
des tragédies. Ils ont subi des tragédies. Soit ils étaient morts, soit ils étaient débarqués, soit ils étaient malades. Moi, je dirais que peut-être, et grande chance pour M. Dufresne, ici, qui fait partie de l'expédition de la Pérouse et qui débarque à Macao, en sachant que le bateau de la Pérouse, l'Astrolabe, coule dans la région du Pacifique. Donc, monsieur, finalement, Dufresne aurait fini comme ces plombs de l'Est, qui est là, original de l'Astrolabe, qui a été récupéré de l'Astrolabe. Je remercie Agnès, il faut remercier absolument l'équipe de la Médicée d'avoir apporté ça pour soutenir ma conférence. Donc finalement, vous voyez que ça commence. Ça commence. Les équipes des explorateurs ramènent des jardiniers. Et j'essayais justement d'expliquer une dynamique de travail très simple. Le premier jardinier botaniste que je vais essayer un petit peu d'expliquer, c'est ce jardinier qui est explorateur. Lui, il fait partie de cet équipage d'une exploration de naturalistes. Il ramasse des plantes sur le terrain, comme le faisaient les grands savants, les botanistes. Il revient normalement en Europe où il met, que ce soit des rhizomes ou des stolons ou des graines, en culture dans les serres. Il y a beaucoup, beaucoup de pertes de matériel vivant. Il y a beaucoup de plantes qui vont mourir par les conditions plutôt difficiles du transport. Ce sont des plantes qui, normalement, n'ont pas assez de lumière. Il n'y a pas assez d'eau, en fait, pendant une navigation de quelques mois. Donc, finalement, je peux bien m'imaginer que peut-être 2/3 de ce qui a été transporté à l'intérieur de cette cale n'a pas survécu. Et en partie, pourquoi ? Parce que cette grande invention n'était pas encore là. La caisse de Ward. C'est une caisse de Ward, c'est une caisse en verre, une caisse vitrée, qui maintient, qui est étanche et qui maintient assez bien les conditions de température et d'humidité. Ça conservait aussi beaucoup mieux l'humidité pendant les transports et on pouvait sortir cette caisse de Ward à l'extérieur de la cale. Mais finalement, la plupart de ces expéditions ne comptaient pas encore avec cette caisse de Ward parce qu'elle a été créée qu'entre 1829 et 1833. Ces caisses de Ward, d'ailleurs, seront très importantes pour briser des monopoles importants. Si on se pose la question comment cet explorateur presque espion pour certains, Robert Fortune, comment est-ce qu'il a fait pour faire passer les plantes d'été de Shanghai en Inde de manière justement un petit peu en catimini, c'est ce qu'il a fait. Il a mis les plantes à l'intérieur de ces caisses de Ward. Comment les Anglais, à partir du jardin botanique de Kew, ont fait passer des plantes, des caoutchoucs venus du Brésil, passés par Kew et comme destin final le Sri Lanka, ils ont utilisé les caisses de Ward. Donc, pour vous dire justement que ces jardiniers explorateurs, finalement, ils n'ont pas eu énormément de succès pour les transports des plantes. Deuxième jardinier explorateur, et un cas suisse, donc un cas genevois, c'est M. Albert Zimmermann, qui est un botaniste chef, il est un jardinier chef de la partie des rocailles dans les jardins, et il s'intéresse finalement à une question fondamentale qui a déjà passionné des saussures, qui a déjà passionné Humboldt, des saussures, qui a ramassé des plantes à 3300 mètres d'altitude, Humboldt qui avait ramassé des plantes à 4400 mètres sur les Chimborazo. Mais Albert Zimmermann, il fait partie d'une expédition genevoise des savants, spéléologues, alpinistes, géologues, anthropologues pour aller chercher des plantes dans les plus hauts sommets de la planète. Ça veut dire que les jardiniers-chefs du Jardin botanique de Genève part dans une mission en 1952 pour aller chercher les plantes qui pourraient se trouver les plus proches du sommet de l'Everest. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils font des récoltes, énormément de récoltes. Ils font des herbiers.
Et il s'avère que l'année passée, une des récoltes qui a été faite par M. Zimmermann, à 6350 mètres d'altitude, s'avère la récolte de la plante la plus haute de la planète. Cette plante a attendu 66 ans pour être décrite. Elle a été décrite comme une nouvelle espèce pour la science par M. Danton et décrite comme Androsa secumbuensis, ce qui a été récolté dans les côtés népalais de l'Everest, notamment dans une partie du glacier Khumbu. Donc finalement, ce record mondial se trouve à Genève et cette image peut être à tout moment consultée sur les catalogues en ligne de l'Herbier de Genève. Parenthèse, issue de cette expédition en 1952 de l'équipe suisse, en fait, qui s'est arrêtée à 8550 mètres d'altitude, à peine à 100 mètres d'altitude du sommet. Ça sera plutôt un an plus tard que les Anglais vont gravir les sommets de l'Everest par Hilary Tengsing, en fait, donc pas de chance en tout cas pour les Suisses, mais ils ont fait quand même une jolie publication, ils ont ramassé beaucoup de plantes, et j'ai vous pris en fait rapidement de fixer cette image à gauche, en bas, cette image de la traversée sur les ponts de la rivière Yubing. Il semblerait, nous avons attentivement, nous avons vu justement dans cet exemplaire des Tintins au Tibet, apparemment Hergé, il s'est inspiré parfaitement de cette image pour proposer une traversée du capitaine Haddock dans le cadre de l'expédition qui a permis la découverte de la plante la plus haute de la planète. Donc d'un coup, finalement, notre ami Zimmermann, il devient vraiment un botaniste, pas seulement avec l'échantillonnage des plantes, mais aussi avec la culture de quelques plantes dans les jardins botaniques de Genève. On laisse un petit peu derrière ces jardiniers explorateurs et on va explorer maintenant c'est qui ces jardiniers scientifiques. Alors ces jardiniers scientifiques qu'on peut identifier, on peut identifier très bien quelques explorateurs, il prend son bâton, il ramasse des plantes sur le terrain, il revient et c'est fort probable en fait que déjà quelques plantes qu'il a ramassées, ce sont des plantes que lui-même il va décrire. Il a maintenant une connaissance, il a une certaine formation dans les domaines de la systématique, dans les domaines de la morphologie, et lui-même, il propose des publications qui ont une validité scientifique. Mais qu'est-ce qui se passe finalement avec des plantes qui sont très intéressantes, mais qu'il n'arrive pas à décrire parce qu'il n'y a pas de fleurs? Donc il prend la plante avec lui, il la met en culture en Europe, dans les serres, et c'est seulement en Europe qu'il pourrait avoir des floraisons intéressantes qui vont lui permettre de décrire l'espèce. Donc c'est la deuxième, je dirais, possibilité pour ces jardiniers scientifiques qui se met à décrire des espèces qui fleurissent seulement dans des conditions de serre parce qu'il ne les a pas vues fleurir dans la nature. Un jardinier scientifique intéressant est lié avec l'une des expéditions les plus spectaculaires et les plus importantes du point de vue scientifique dans la région de l'Amérique du Sud. Peut-être après l'expédition de Humboldt et Bonpland. Et cette expédition commence avec un voyage des noses. Le Brésil, en fait, qui est fermé pour les chercheurs, la plupart des chercheurs, d'un coup propose une certaine ouverture. Cette ouverture va être profitée par l'empereur autrichien qui propose au fils du roi de Portugal le mariage avec sa fille Marie-Léopoldine. Il y a tout un voyage qui est organisé, on prépare les bateaux, mais l'empereur d'Autriche insiste que évidemment, son Altesse Léopoldine, Marie-Léopoldine, doit être accompagnée avec une mission de chercheurs, une mission de chercheurs autrichienne, qui va être composée en grande partie par des grands savants, notamment Karl von Martius, et après, évidemment, des jardiniers autrichiens qui sont très, 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 très importants. Les buts principaux de cette mission, c'est évidemment la découverte scientifique du Brésil, un pays qui était fermé pour la plupart des puissances européennes, mais qui s'avère évidemment un marché très intéressant pour les Européens. Le Brésil, il est tellement intéressant qu'il y a même un État qu'on appelle Minas Gerais, des mines générales. Donc,
finalement, il y a cette expédition scientifique qui accompagne la jeune Marie-Léopoldine avec les buts principaux de ramener des plantes, soit pour les châteaux de Belvédère, soit pour les châteaux de Schönbrunn à Vienne. Donc, quels étaient en partie les buts? Évidemment, vous allez récolter tout ce que vous allez voir au niveau des animaux, au niveau des plantes, et si vous pouvez aussi quelques êtres humains pour montrer à la royauté en fait, des Indiens de l'Amazonie. Effectivement, je vous montre rapidement les parcours qui ont fait les zoologistes Spix et Martius jusqu'à la région du Rio Negro, la frontière avec toutes les colonies de l'Espagne. C'est effectivement un parcours extraordinaire sur 2-3 ans, en fait, où il y a à peu près 10 000 kilomètres qui sont parcourus. Et au bout de cette expédition autrichienne, il y a effectivement 67 des caisses des plantes vivantes, il y a 700 paquets de graines, plusieurs animaux pour la ménagerie royale et 3 petits Indiens qui vont mourir à Vienne à peine 2 ans après l'expédition. Donc, parmi ces grands botanistes autrichiens, il y a évidemment ce que j'aimerais appeler peut-être les papes des Aracées, en tout cas un des grands chercheurs qui est bien connu de notre botaniste homme croate, Schott. Et Schott, en fait, il est jardinier à la base. Il a une formation d'horticulteur. Mais lui-même, il a une forte connaissance déjà d'avoir effectivement cette main verte pour mettre en culture les plantes, typiquement les plantes d'Aracées. Ben, finalement, ça lui permet de faire des publications extraordinaires comme on est en train de voir. La plupart des Aracées qu'on voit ici, Diefenbachia, Anthurium, Philodendron, Monstera, il y a peut-être un tiers de toutes ces espèces qui ont été décrites par M. Schott. Donc finalement, c'est un jardinier qui subit une espèce de transformation et tellement une connaissance en profondeur sur les espèces qu'il remplace un petit peu les rôles d'un taxonomiste ou un floriste. Donc les 2-3 grandes publications monographiques dans les mondes des Aracées ont été produites par Schott, qui était un jardinier à Vienne. Dans les domaines des palmiers, toutes les espèces des palmiers que vous voyez ici, en fait, ont été peut-être décrites par Hermann Wendland. Hermann Wendland, qui était lui-même le fils d'un jardinier. Il faut savoir que dans la plupart des cas, c'est un métier qui s'hérite, notamment dans ces châteaux, ces jardins du château d'Ehrenhausen à Hanovre, en fait. Ben lui-même, il était le fils d'un jardinier. Et c'est peut-être la même chose avec Schott. C'est un métier qui s'hérite. Et je pourrais expliquer ça. En tout cas, j'ai eu quelques réflexions. Je me dis que cette connaissance des techniques de multiplication des substrats, de la façon d'arroser des plantes, c'est une connaissance précieuse à l'époque qu'on pouvait donner tout simplement qu'à la famille. C'était un patrimoine. Je te donne cette connaissance et ça pour expliquer pourquoi ce sont des techniques ou des métiers ou des jobs qui s'héritent d'un père à un fils. Donc lui-même, les noms de Wendland peut être lié aujourd'hui à presque 800 noms de palmiers différents sur les 2600 palmiers qui sont reconnus actuellement. Alors Wendland, jardinier encore une fois à la base, il met en culture, alors voyez par exemple cette publication faite en 1882 et on voit déjà les serres. Il savait comment mettre en culture ces palmiers. Et lui-même, il explore, il lui donne une espèce de pas supplémentaire parce qu'il est clair en fait. Tous ces botanistes qui ramenaient des graines en Europe, finalement, qu'est-ce que ces botanistes connaissaient sur la culture des espèces? Rien du tout, pas grand-chose. Tandis que lui, Hermann Wendland, il se donne la peine de faire pour la première fois une mission de terrain dans la région des Caraïbes, en Amérique centrale, pour mieux connaître les conditions environnementales, peut-être les substrats aussi, humidité. Quelles sont les conditions de croissance de ces espèces sur le terrain? Et c'est un petit peu un des éléments qui pourrait expliquer comment il réussit à mettre en culture, déjà dans une serre, dans le nord de l'Allemagne, un groupe de plantes qui est typiquement tropical comme les groupes des palmiers.
Il y a tous ces jardiniers pépiniéristes. Alors, je dirais que c'est le troisième type de jardinier botaniste. C'est lui aussi qui s'intéresse sur la pépinerie et l'horticulture. Et dans cette catégorie, il y a un premier, c'est ce botaniste jardinier ou jardinier botaniste qui prend son bâton, qui ramasse des plantes en culture et qui décrit déjà des plantes qu'il a vues dans la nature. Deuxième catégorie, dans cet aspect des pépiniéristes horticulteurs, ben finalement, il n'y a pas tout qu'il a vu en fleurs dans la nature. Il met en culture dans les serres des plantes et tout ce qui a fleuri seulement avec des fleurs, parce que finalement, les structures reproductives sont fondamentales pour la description d'une nouvelle espèce. Tout ce qui a fleuri dans les serres, ben, il va les proposer peut-être comme des nouvelles espèces. Troisième élément, et ça, c'est très, très, très malin. Il a compris qu'il y a des belles espèces qui peuvent être décrites. On connaît la morphologie. Ce sont des plantes qu'on arrive à maîtriser au niveau de la multiplication et qui partent dans un catalogue des ventes. C'est encore une fois les pas supplémentaires. Il n'y a pas seulement la connaissance du milieu naturel, il n'y a pas seulement la description d'une nouvelle espèce, il y a aussi l'aspect comment je peux populariser cette plante spectaculaire en même temps pour avoir un bénéfice commercial. Donc c'est pour ça, c'est peut-être à cause de ça qu'on commence à avoir des catalogues, des ventes, des plantes qui sont très exotiques à l'époque. Et d'un coup, on voit un nombre de familles clés, la famille Lodiges. Cette famille Lodiges, d'origine du Pays-Bas, donc pas étonnant, justement, lier le Pays-Bas avec ses métiers de jardinier, de jardinage, en fait, finalement commence avec une dynastie qui commence avec Conrad Lodiges, qui en même temps a un fils, George. Il y a une troisième génération, c'est Conrad Lodiges deuxième, qui popularise énormément des plantes qui se trouvent soit aux États-Unis, soit en Australie, en Angleterre. Et à partir de l'Angleterre, la dispersion de ces espèces partout. Tout en Europe. C'est pas exagéré si je vous dis que peut-être la moitié des plantes ornementales qu'on a à la maison, chez moi ou chez vous, ont passé par l'établissement horticole de la famille Lodiges ou la famille Berchafeld ou la famille Linden. Trois établissements horticoles en Europe qui ont fait distribuer toutes les espèces ornementales à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais comment ils font, les Lodiges, justement pour se permettre de faire ces transports des plantes, et ce sont des transports qui prenaient des mois sur les bateaux. Bon, finalement, c'est les Lodiges, notamment George Lodiges, qui, très très malin, met en évidence l'importance de la caisse Ward. Et c'est eux, justement, qui bénéficient et qui comprennent l'utilité de cette caisse Ward pour les transports à longue distance de toutes ces plantes. Alors, cette dynastie, cette saga des familles Lodiges, ils vont faire des publications botaniques un peu différentes par rapport aux botanistes savants, les vrais taxonomistes. Ils décrivent, ils proposent déjà un nom pour l'espèce, très important pour la nomenclature taxonomique. Il décrit la plante avec les couleurs des feuilles, la forme, la même chose pour les fleurs. Finalement, les deux, trois caractères qui sont fondamentaux pour départager une espèce A ou B. Et évidemment, un petit paragraphe sur la méthode des cultures. Ça, c'est typiquement une description d'espèce proposée par un jardinier botaniste et qui ont une validité à 5% d'un point de vue de la taxonomie. Un deuxième exemple de ces jardiniers qui sont un petit peu pépinéristes, c'est Jean-Jules Landen, de formation horticulteur. Il est né à Luxembourg et j'ai décidé de l'appeler les révolutionnaires. Dans quel sens? Il a trop souvent, beaucoup trop souvent, les plantes qui sont ramenées en Europe, que ce soit par les jardiniers ou les botanistes, finalement, ils poussent plutôt très, très, très mal. On ne connaît pas quelles sont les conditions des cultures de ces plantes. On ne connaît pas les milieux naturels.
Pourquoi? Parce qu'il y a une notion généralisée, tout ce que ramené des régions tropicales, ça doit être chaud et humide. Mais Landen, il n'est pas persuadé que c'est la bonne réponse. Ce n'est pas parce qu'il y a tout qui vient d'un pays comme la Colombie ou le Venezuela ou le Panama, ont besoin des conditions de serre chaude et humide, en sachant qu'il y a des conditions topographiques et climatiques qui sont complètement différentes. Dans un même pays, comme le Venezuela, vous allez trouver des conditions d'aridité sérique, vous allez avoir des forêts semi-décidues, des forêts de brouillard, des paramos avec des conditions de température, humidité complètement différentes. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Lui-même, Landen, il visite la région néotropicale, il échantillonne dans des pays comme les Cuba, le Mexique, le Venezuela, le Panama, la Colombie, et il a vu la plante sur le terrain. Je peux m'imaginer bien Landen voir la plante, toucher le substrat. Il avait déjà des instruments de mesure pour mesurer l'humidité environnementale ou l'humidité du substrat. Il a vu l'écologie. Qu'est-ce qu'il fait très très malin finalement ? Il réussit, dans des conditions de serre, en Europe, à régler des conditions de température, humidité, substrat, et il a adapté tout ce qu'il a vu sur le terrain. Et à ce moment-là, il réussit la culture des plantes ornementales. Finalement, c'est ces jardiniers horticulteurs qui vont sur le terrain et qui comprennent la façon comme les plantes poussent. Il devient en particulier amoureux par les orchidées et devient à son époque, avec les responsables de l'herbier de Kew, de l'orchidéologie, Lindley, la grande autorité de la famille des orchidées. Alors, la multiplication, évidemment, de tous ces phalaenopsis ont été faites en grande partie dans ces établissements horticoles de M. Linden, qui devient en même temps, qui met un pas dans les domaines de la taxonomie, qui devient un taxonomiste, un systématicien pur et dur, en même temps qu'il a une formation de base d'horticulteur. Dernier volet. C'est jardinier botaniste qui s'intéresse au paysagisme. Et là, c'est botaniste typiquement européen qui parle sur le terrain, mais qui est fasciné par la beauté des plantes natives. Il essaye des pépinières sur place et il va proposer justement des beautés comme on voit ici au niveau du paysagisme. Et là, évidemment, je me réfère à les grands personnages Auguste François-Marie Glaciou, les grands Glaciou. Toutes les monographies qui se font en Amérique du Sud au niveau systématique ont cité un échantillon de M. Glaciou, qui est un collecteur très prolifique. Il est beaucoup moins lui-même taxonomiste, mais il récolte énormément. Il est invité par les rois de Brésil, Pedro II, à aménager toute la partie paysagiste des jardins impériaux. Et c'est ce qu'effectivement il va faire. En tant que grand collectionneur et en grand explorateur français au Brésil, finalement, il va avoir des espèces qui sont très intéressantes au niveau paysagisme. Et il récolte. Dans la mesure que même aujourd'hui, ces échantillons sont cités dans plus de 12 herbiers au niveau international. La plupart, je répète ici, des monographies taxonomiques ont bénéficié des récoltes de M. Glaciou. Et en fait, cette publication qui est très, 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 très longue, en fait, qu'elle a, et qui est la publication la plus importante jamais faite dans les Amériques. Alors, vous voyez, c'est un nom très, très long de la publication pour les intimes Flora Brasiliensis. 16 volumes a bénéficié énormément des récoltes de M. Glaciou. Alors là, un exemple de cette quinta da Boa Vista qui a été aménagée avec des recommandations qui ont été faites au niveau du paysagisme par M. Glaciou et la beauté de ce qu'on peut, voir aujourd'hui et qui était assez malin dans le sens qu'il a privilégié plutôt les espèces brésiliennes pour toute l'organisation paysagiste des parcs à Rio. Je finirai ici avec ces beaux châteaux et la Médicée et quelque part évidemment Agnès ici parce que si on est tous là, c'est parce qu'on est tous ici un peu jardiniers ou botanistes.
ou les deux. Merci Agnès. Voilà, alors vous allez m'excuser là, mais je vais être obligé de vous contredire un petit peu, parce que vous avez évoqué tout à l'heure La Pérouse. Or, le botaniste de l'expédition La Pérouse n'était pas M. Dufresne. C'était M. de Lamartinière, qui était un médecin botaniste et fait ses études à Montpellier. Et M. Dufresne est quelqu'un qui avait été imposé à l'expédition. Alors par, je ne sais pas comment on disait à l'époque, par le ministère des Finances, dirait-on. Et ce monsieur, qui était baptisé naturaliste, était assez mal vu de La Pérouse. On a une lettre de La Pérouse écrite depuis le Chili, où il se moque de M. Dufresne en le traitant de Parisien, sous-entendu qu'il croit tout savoir, et qui... le moindre caillou brillant qu'il pouvait trouver, il le baptisait facilement diamant. Et donc, ce monsieur Dufresne avait décidé de quitter l'expédition au Chili. Mais pour cela, il lui fallait regagner Buenos Aires pour trouver un bateau qui le ramène en Europe. Et la traversée du Chili lui a été refusée. Il est donc resté par force dans l'expédition. On lui a trouvé une occupation. Vous savez que l'expédition La Pérouse est montée au nord du Pacifique et devait en particulier faire une étude sur le commerce des peaux de loutre. Et on a confié à M. Dufresne la conservation des peaux de loutre qu'on avait récoltées en Alaska. Il s'en est très bien occupé d'ailleurs, ces peaux de loutre ayant été revendues en Chine, et M. Dufresne a débarqué lui-même en Chine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Macao, et a ramené une peau de loutre d'ailleurs pour la reine. Voilà. Donc, c'était M. de Lamartinière qui était le botaniste, et il y avait un jardinier qui était Collignon, qui était originaire de la Lorraine, et qui avait été désigné par André Thouet, qui était le jardinier en chef à Paris du Jardin des Plantes. Et il avait une double fonction. On a pris des plantes de France, essentiellement des arbres fruitiers, il y avait même des oliviers, deux oliviers. On a pris des kilos de graines, et M. Collignon devait donc tout au long du voyage s'occuper de conserver ces arbres fruitiers de façon à pouvoir en planter dans les pays où l'on passerait et où on pensait que ces plantes pourraient se développer et apporter de nouveaux moyens de se nourrir aux habitants, et on semait des graines. Voilà, tout au long du voyage à l'île de Pâques, on a semé du maïs, des courges, des haricots, etc. Et on donnait aussi quelques animaux. Voilà le rôle de M. Collignon. Et au retour, on devait ramener, bien sûr, des plantes qui, malheureusement, ne sont jamais arrivées puisque les bateaux ont coulé. Alors, merci pour cette précision. Je vais évidemment faire des corrections. Oui. Ah, oui, j'avais demandé à Agnès peut-être de vous délivrer aujourd'hui rapidement. Je vais le faire en une minute, là. Une nouvelle qui peut vous intéresser, qui est une nouvelle qui est encore très mal connue. Vous savez qu'il existe un bateau qui a été reconstruit en France, qui est une copie de l'Hermione. L'Hermione, qui était le bateau de Lafayette. Or, ce bateau navigue. Il a traversé déjà l'Atlantique pour rappeler le voyage de Lafayette au moment de l'indépendance des États-Unis. Et donc, ce bateau se propose maintenant de partir sur les traces de La Pérouse et de Cook. Voilà, c'est une expédition qui va se faire probablement avec un autre bateau, qui est une copie d'un bateau ancien, le premier bateau de Cook, l'Endeavour, qui a été. Ce bateau a été reconstruit en Australie. Il appartient au gouvernement australien, il est capable de naviguer. Donc en 2021, le 1er août, en principe, doit partir de Brest l'Hermione, qui va traverser l'Atlantique avec
différentes escales, Madère, les Canaries, un peu comme l'avait fait la Pérouse, passer le Cap Horn, retrouver à l'île de Pâques probablement le bateau australien, et ensuite ils vont naviguer, mais ils ne vont pas aller dans le Pacifique Nord pour différentes raisons, ils vont naviguer dans le Pacifique Sud. Après l'île de Pâques, alors j'ai tout le programme si ça vous intéresse, il y a Pitcairn, voyez, puis après on monte jusqu'aux Marquises, il y a les Samoa, où il était arrivé un accident assez grave à l'expédition de la Pérouse aussi. Voilà, et puis par contre, ils passeront à Vanikoro, là où les bateaux de l'expédition de la Pérouse ont coulé. Par contre, après le retour en France, qui n'a jamais été fait bien sûr par la Pérouse, sera fait probablement à l'identique par l'Hermione. Voilà le projet qui est actuellement à l'étude et j'espère qu'il pourra se réaliser. Voilà, et vous êtes parmi les premiers à le savoir. Ben, merci pour cette bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une autre question ? Oui, je voulais savoir si à Genève, où est arrivé, dit-on, l'Héracléum Montegadianum via l'Angleterre, puis avec Corvon, enfin, je ne sais plus exactement l'histoire, mais cette plante extrêmement mal appréciée, si vous la gardez quand même, parce qu'elle est arrivée là par des voyageurs et par Montegazza, par l'expédition au Caucase, enfin tout ça, et si il y a eu une expérience de jardinage de cette plante considérée comme très envahissante et désagréable. Oui, malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. En fait, certainement, il y a un suivi, il y a cette connaissance, mais bon, je vais peut-être me renseigner avec le jardinier-chef du jardin, mais je suis désolé. Ah non, mais je pourrais à ce moment-là, si vous en avez besoin, vous dire comment on peut faire pour la jardiner sans être envahi. Voilà, alors, quand la hampe florale, vous connaissez cette grande ombellifère qui monte jusqu'à 3 mètres de haut, elle a un cycle court, c'est une thérophyte, elle va mourir après avoir fait les graines, elle n'a qu'un seul moyen de se reproduire, c'est la graine, elle n'a aucune possibilité de se multiplier végétativement. Mais avec la graine, elle va se répandre tellement qu'elle est envahissante très rapidement. Si vous coupez cette hampe florale après que les graines aient commencé à apparaître, elles ne sont pas encore mûres, mais elles existent déjà, sont plus très intéressantes pour la fleur, puisqu'il n'y en a pratiquement plus, elles n'attirent plus d'insectes. Bref, vous pouvez couper. À ce moment-là, vous pouvez mettre ça au compost ou ailleurs, je ne sais pas, mais ça ne se multipliera pas. Donc vous supprimez le côté envahissant. Mais la plante a enregistré qu'elle ne s'était pas multipliée, donc elle n'a pas fait son boulot. Et là, à ce moment-là, elle change de type biologique, et elle devient hémicryptophyte, c'est-à-dire vivace, pendant quelques années. Elle se remultiplie du pied, ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne faisait pas d'habitude, pour refleurir, de façon à pouvoir se reproduire. Enfin, c'est mon interprétation, hein, mais je pense que c'est quand même c'est ce que je constate. C'est du jardinage dans mon jardin. Et à ce moment-là, je recommence à la jardiner de cette façon-là, d'année en année, et au bout d'une dizaine d'années, elle dit stop. Elle se fatigue, elle n'est pas faite pour ça, et l'ensemble de ce massif ou de cette île d'Héracléum Montegadianum diminue à un point tel que je dis ça c'est pas possible, moi je veux la garder. Hein. Alors je la laisse se remultiplier par les graines depuis maintenant 3-4 ans, et puis je vais recommencer ce jardinage-là. Voilà. Elle est donc toujours dans le jardin, mais elle n'est pas envahissante. Merci. Alors, chers collègues, moi je voulais vous remercier de tout mon cœur, parce que j'ai eu un coup de cœur, moi, comme ethnologue, à la découverte d'un livre merveilleux que tout le monde doit connaître ici, probablement, qui s'appelle La fabuleuse Odyssée des plantes et des botanistes voyageurs de Lucille Allorge et Olivier Icor, qui est paru en 2003, et qui est fascinant, qui est extraordinaire. Alors là, vous prolongez, vous complétez, vous allez au-delà. Alors c'est très agréable, mais ma question, c'est... Parce que les ethnologues de terrain, dans
tout le monde entier, hein, ne sont pas les descendants, pour moi, c'est un élève de Leroy Gourand, ouais. D'abord, sont les descendants directs, les fils spirituels des botanistes et des jardiniers botanistes, notamment ceux qui voyageaient, et non pas des philosophes. Ah, c'est mon point de vue. Donc, on se sent en adéquation. Et la question, donc, c'est, chers collègues, avez-vous ou allez-vous publier l'intégralité de ce que vous avez dit en le complétant avec les corrections de monsieur sur Lapeyrouse, sur Dufresne? Est-ce que c'est en... sur le métier. Vous savez quoi, j'ai pris énormément de risques à faire cette conférence. Dans le sens que je vous l'ai promis, j'avais dans ma bibliothèque, j'avais au moins, dans mon bureau, j'avais au moins 40 ou 50 publications qui touchaient l'exploration, qui étaient touchées plutôt superficiellement. Mais il y avait les botanistes, il y avait les horticulteurs, il y a beaucoup de publications qui traitent ces domaines séparément, qui les départagent. J'ai des tests qu'on nous départage, les botanistes, du jardinier, des paysagistes, on est tous les mêmes finalement. Et essayer de donner un sens à toutes ces synergies qui se font et qui font disparaître les frontières entre une discipline et l'autre, en fait, ce diagramme avec des boules, en fait, ça m'a coûté des semaines, finalement, comprendre qu'on pouvait créer des espèces de tiroirs. Il y a des boules qui manquent, mais je voulais montrer ce qui était plutôt la majorité des cas qu'on pouvait identifier facilement. Si jamais ça va être publié, je ne crois pas. Je ne crois pas dans le sens qu'il y a beaucoup de littérature, mais cet exercice-là, le proposer pour peut-être un petit journal et quelques pages, en fait, parce que finalement, il n'y a pas tout ici qui est important. Non. Mais peut-être garder les deux, trois hypothèses qui sont peut-être l'originalité de mon travail, oui. Pourquoi pas, j'y vais réfléchir. Hein. Oui, oui. Ouais, c'était juste un complément d'information sur jardinier botaniste. C'est un concept que j'aime beaucoup, travaillant dans un jardin botanique. Juste pour rappeler pour ceux qui ne savent pas qu'il y avait une école, enfin il y a une école à Kew Gardens qui dure 3 ans, qui forme donc des jardiniers botanistes, une école prestigieuse au niveau mondial, où les élèves passent une grande partie de leur temps dans les jardins botaniques de Kew à travailler dans les plantes et à étudier avec les chercheurs de Kew. Et ça a fait écho en France. Et en 2000, ça a dû commencer, je réfléchissais, je crois 98 ou 99, il y a une école en France à Besançon, qui s'appelle Château Farine, et c'est quelque chose qui est né à l'initiative des jardins botaniques, du réseau national des jardins botaniques, avec un monsieur qui s'appelait Pierre Millet à l'époque, et à Besançon, et il y a pendant un an, c'est essentiellement des gens qui travaillent dans les jardins botaniques, qui à la base sont des jardiniers, et comme les besoins dans les jardins botaniques sont importants, puisqu'ils gèrent des collections qui ont chacun des végétaux a des exigences particulières, donc il y a une formation en phytosociologie, en génétique, en biogéographie, en écologie également. Et donc pendant un an, il y a entre 15 personnes et 25 les plus grandes années, des gens qui sont à la base des jardiniers, à qui on donne cette formation et qui deviennent ensuite, qui ont un niveau qui s'appelle jardinier botaniste. Donc voilà, on est au mois de mars, là c'est le moment où les gens candidatent. Pour une rentrée qui a lieu en septembre et on est très contents et on les retrouve aujourd'hui. Je sais qu'il y en a de Nantes qui sont là aujourd'hui et on les retrouve partout en France aujourd'hui et c'est une formation qui est très très intéressante pour les jardins botaniques. Voilà. Alors finalement, je pense que c'est ça, ces sagas des Wendland, des Linden, des Lodiges, des Verschaffelt, des Villemorin. Il serait ravi d'entendre et de visiter une institution comme tu viens de le dire à Besançon. C'est spectaculaire. Bon. Comment ? Je crois qu'il y avait une question là. Non ? Il n'y a plus de questions là ? Ah si, il me semble. Pardon.
Oui, moi, c'est une question de néophyte, parce que vraiment, là, je découvre avec admiration toutes vos connaissances. En vous écoutant, je me posais la question, parce que ce que j'ai pu entendre, c'est que de différents pays se sont intéressés, mais est-ce qu'ils avaient des orientations très différentes, et est-ce qu'aujourd'hui encore, ça se retrouve, ces orientations par rapport à la botanique, et est-ce qu'il y a des spécialités suivant les pays ou les... Est-ce que ma question est claire ? Elle est assez générale, mais ce que j'ai, peut-être je voulais dire, c'est que est-ce qu'il y a encore des jardiniers botanistes contemporains qui travaillent dans les jardins botaniques et qui font tout ce que j'aime bien dire, c'est le cas. Après, chaque institution a des orientations plutôt géographiques. Il n'y a que deux, trois institutions, grandes institutions comme Kew, qui se permet d'envoyer des chercheurs en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en fait. Mais sinon... Ben, nous avons tous, comme à Genève par exemple, on a ciblé des régions géographiques et ça explique pourquoi ben, les collections qu'on présente au public ont une forte tendance régionale. En fait, là, le fait que ma ligne de recherche se concentre actuellement sur les palmiers de l'Afrique pour expliquer pourquoi les nouveautés dans le jardin et qui sont proposées au public... c'est finalement bah, augmente de manière importante pour les espèces des palmiers africaines. Et d'un coup, c'est finalement, y a un effet direct entre les botanistes qui travaillent dans un moment donné à une institution et la richesse de la collection. Je ne sais pas si ça répond à votre question.